tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être dans un format un petit peu particulier aujourd'hui, puisqu'à la base c'est un retour de course. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien sur ma chaîne, et là je me suis dit que peut-être vous aimeriez voir un petit peu comment je m'organise. Pour cette fois-ci encore, j'ai fait un Leclerc Drive. En vrai, j'aime bien. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les produits. Par moment, il y a des marques que je suis obligée de prendre et inversement, des sous-marques que je suis obligée de prendre parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut. Des fois, ça va dans le panier et hop, le temps qu'on valide, il n'y a plus rien. Mais franchement, c'est un gain de temps, un gain d'énergie. C'est de l'effort en moins pour ma part. Du coup, je vous ai filmé un peu de mon organisation avant d'avoir les courses et le rangement que je peux en faire derrière. N'hésitez pas en tout le cas à me dire si ce format vous plaît. Je vous laisse sans tarder avec la vidéo. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Alors la première chose que je vais faire en amont des courses, c'est de nettoyer mon frigo. Je le fais si possible la veille parce que je préfère, j'aime pas le faire le jour même des courses. En général, j'ai jamais le temps et en fait, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc voilà, si possible la veille, si possible une fois par semaine. Je le fais pas forcément toutes les semaines parce que s'il est propre et s'il y a juste un bac par exemple à nettoyer, je vais nettoyer que le bac. Pour le nettoyer et le désinfecter, j'utilise un produit de chez Shogun qui est très bien. D'ailleurs, tous leurs produits, quasiment tous les cas, tous ceux que j'ai testés moi, sont vraiment très bien. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et en plus d'être nettoyant désinfectant, il dispose de la norme HACCP, donc c'est une norme en fait d'hygiène en cuisine. Et du coup, il n'y a aucun risque nocif s'il rentrait en contact avec des denrées, des aliments dans votre frigo. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, une fois que j'ai nettoyé le frigo, je vais retirer le produit avec une microfibre mouillée et puis je vais sécher le frigo avec une microfibre sèche tout simplement. Dans la soirée, je vais faire mon menu. Je regarde un petit peu sur internet pour avoir quelques idées. Je vous avouerai que je trouve pas forcément parce que mes enfants sont un petit peu difficiles. Mon mari, je vous raconte même pas. Ils sont pas trop légumes, ils sont pas trop plats avec plein de choses mélangées, etc. En général, quand je me lance à faire ce genre de choses, c'est un flop total. Donc du coup voilà, j'essaie de trouver des choses qui soient bonnes, qu'ils aiment bien, qui puissent plaire à tout le monde. Voilà, et un petit peu de poisson, un petit peu de viande blanche, un petit peu de viande rouge. J'essaie quand même de mettre des légumes. Alors pour la petite anecdote, faut savoir que quand j'ai fait ce menu, je n'avais pas vu qu'il allait faire les fortes chaleurs à base de 40 degrés. Donc il y a des menus que finalement je n'ai pas fait, mais c'est pas grave parce que j'ai gardé ça pour la semaine d'après. Et il y a deux jours où j'ai fait sauter les menus parce qu'il y a un jour où on est parti manger chez ma sœur et il y a un jour où j'ai passé commande.
fois que j'ai fini mes corvées du soir, que je me suis douchée, je peux enfin me poser pour faire mon Leclerc Drive. Alors j'avais commencé un petit peu, puisque des fois voilà, je mets des choses dans mon panier. C'est un des avantages du Drive, on peut aller et venir comme on veut sur l'application pour remplir son panier ou retirer des choses. Autre avantage aussi, vous l'avez vu, avantage majeur, on peut le faire tranquillou sur son canapé à n'importe quel moment. Alors, je vous montre, j'ai pris une tarte aux trois fromages. Voilà, c'est pour moi le midi, puisque personne mange ça. J'ai pris une pizza comme ça, c'est pareil, c'est plus pour Anaïs le midi, parce qu'elle adore cette pizza-là. J'ai pris des frites au four. Là, c'est des rissolets. J'ai pris de la purée comme ça, de carottes potiron avec de la crème. J'ai pris des haricots verts extra fins, bon duel, parce que ceux-ci sont vraiment très, 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 très bons. Ils sont faciles à faire. J'ai pris de l'ail comme ça, surgelé, finement haché. Voilà, pour gagner du temps, toujours. Y a des fois où j'ai pas forcément le temps ou même l'envie couper mes oignons, couper mon ail, etc. Donc, des fois, ça peut servir de les avoir déjà prêts comme ça en surgelé. Là, j'ai pris des frites four micro-ondes. Donc, c'est ceux dont je vous parlais la dernière fois. C'est très, très pratique. Elles sont très bonnes. Voilà, c'est 2 minutes 30, voire 3 minutes si vous les voulez bien croustillantes au micro-ondes. Donc, j'ai pris 4 paquets. De toute façon, c'est tout ce qu'il y avait. Vous en avez aussi en pommes de terre rissolées et en potatoes. J'ai pris des croustibates, c'est vraiment les poissons panés préférés de toute la famille. Enfin, hormis mon mari, parce que lui, il n'en mange pas. J'ai pris ces colins d'Alaska façon fish and chips. Ils sont vraiment très, très bons. Et ils sont assez balèzes quand même. Ensuite, j'ai pris des glaces. Elles étaient en promotion. Je ne sais plus, je crois qu'il y avait moins 34%, quelque chose comme ça. Mais ça me revenait à peine à 2 euros, il me semble, la barquette. Donc, j'ai pris vanille parce que obligé. Et ça, c'est trop bon. Fraises avec des morceaux de meringue. C'est vraiment délicieux. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris des mini agendas comme ça parce que je trouve que c'est très pratique pour Maeva et Mathis pour les manger. Et c'est en promotion aussi. Pareil, je crois que c'était à moins 34%. J'ai pris des sorbets oasis comme ça. Ils sont franchement, ils sont bons. Il y a différents goûts. Il y en a 10 en plus dans la boîte et ils ne sont pas très chers. Ils étaient en promotion aussi. Je ne sais plus si c'était un acheté, le deuxième à moins 65%. Un truc de ce style-là. Là, c'est des cordons bleus de dinde. Donc, il n'y en a que 4. Donc forcément, pour nous, il me faut 2 boîtes. Et des steaks hachés, surtout pour les plats rapides ou pour le midi, pour les filles. C'est super pratique. Alors, j'ai pris 3 bouteilles de lait frais. Je me suis trompée. Je pensais que c'était des bouteilles basiques, mais Candia, j'ai pas fait attention. Mais c'est vrai que Candia, c'est des Candia grand lait, c'est vrai que c'est du lait frais. Et va falloir que je casse ces 3 bouteilles-là dans mon frigo. Qu'habituellement, moi, je prends des packs de Viva. Il n'y en avait pas du tout. C'est l'inconvénient du Drive. Il n'y a pas tout ce qu'on veut, encore une fois. Donc voilà, on va faire avec. Ensuite, j'ai pris du jus d'orange pressé Andros. Alors, d'habitude, je prends Innocent. J'aime bien. Surtout pour donner aux petits. Et il n'y en avait pas. Donc, du coup, j'ai pris des petits hop à la fraise pour les enfants. Ils aiment bien. Ensuite, j'ai pris des gnocchis à poêler. Donc, forcément, qui dit famille nombreuse dit format XXL. Et encore, des fois, je dois rajouter quelque chose avec parce que ça ne suffit pas. Et les enfants adorent ça. J'ai pris du saucisson sec halal, forcément, puisque nous ne mangeons pas de porc. Et c'est plus pour Maëlys et Mathis, puisque c'est eux qui aiment trop ça. Ensuite, j'ai pris du blanc de dinde fumé, 4 tranches. J'ai pris des lardinettes de volaille. Et ça, c'est pour faire les pâtes aux lardons crème fraîche que j'ai mis sur le menu. J'ai pris 2 tartes aux poireaux et à l'emmental râpé. Ça, c'est pour moi. C'est pour le midi, pareil. Un truc vite fait avec une salade. J'ai pris des raviolis de tomates mozza basilic pour les filles le midi. J'ai pris de la mozza comme ça. Il restait plus que ça. Et ça, c'est pour faire la lasagne. J'aime bien mettre de la mozza en plus de l'emmental. J'ai pris de la crème fraîche.
Donc ça c'est pour faire les pâtes façon carbonara. J'ai pris du boursin cuisine, voilà, pour rajouter un petit peu, oui, dans les pâtes, le midi, ou voilà, un petit truc vite fait, bah, ça fait tout de suite, ça relève un petit peu les pâtes ou les plats. J'ai pris du beurre à tartiner, alors demi-sel, parce que eux, ils sont tous fans de beurre demi-sel sur les tartines, et du beurre doux, parce que moi, j'aime que le beurre doux dans les tartines. Ensuite, j'ai pris du fromage Petit Louis pour les enfants. Je leur ai pris également du kiri. Alors, je voulais du kiri goûté, mais il n'y en avait plus du tout. J'avais mis dans mon panier et puis ensuite, bah, il n'y avait plus rien tant que je valide. J'ai pris du fromage Brie Président. Ça, c'est pour moi puisque personne n'en mange. Au niveau yaourt pour les enfants, j'ai pris 2 paquets de yaourt Smarties. Il n'y en a pas beaucoup dedans, il n'y en a que 4. Donc, vous savez, c'est vite parti. Donc, 4 goûts vanille et 4 goûts fraises. Pour Maëva, bon, elle peut manger aussi hein, les Smarties, mais sinon, je lui prends toujours des petits Suisses aussi. J'ai pris aussi des petits pots de crème au chocolat la laitière. Voilà, moi j'aime bien, mon mari aussi. Alors comme il n'y a pas trop de place dans le frigo, on ne peut pas prendre trop de choses. J'ai pris des œufs élevés en plein air. Je préfère les prendre en plein air, hein, ils sont meilleurs. Voilà, ils ne sont pas cassés. Bon, voilà. J'ai pris des tomates cerises allongées et elles sont franchement très bonnes, elles ont beaucoup de goût. J'ai pris de la betterave rouge entière. Voilà. Pour faire les entrées. Ensuite, on passe à la salade. Alors, j'en ai pris 3 paquets différents parce que déjà, nous, on aime bien la salade, surtout Maëlys et moi. Et voilà, il y a des repas où typiquement, bah, il faut les accompagner de salade. Ça passe très, très bien, comme la lasagne, les quiches, etc. Là, en l'occurrence, pour cette semaine, on a un menu avec de la lasagne. Donc, du coup, pour essayer de diversifier un petit peu et puis de voilà que chacun puisse trouver son compte, j'ai pris de la salade feuille de chêne puisqu'il n'y avait pas de batavia. Donc voilà, la feuille de chêne est très bien aussi, j'aime beaucoup. J'ai pris de la mâche et de la roquette et j'ai pris un mélange de jeunes pousses. Maintenant, go ranger les courses dans le frigo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. Alors comme j'avais 3 sachets de salade, du coup je pouvais pas les laisser comme ça dans le frigo, ça prenait beaucoup trop de place. Donc ce que j'ai fait, et ce que je fais de temps en temps d'ailleurs, c'est mettre en fait la salade dans des sachets de congélation. Là je l'ai pas fait de suite parce que j'avais pas fini de faire le retour de course et j'avais plus du tout de sopalin. Mais en fait je mets de l'essuie-tout à l'intérieur et ensuite je referme bien. Alors ça vous permet une meilleure conservation puisque ça évite en fait à la salade de macérer un petit peu dans l'eau et que du coup
coup elles deviennent toutes noires, vous savez. Voilà, je l'ai fait tout de suite après. Je vais vous mettre une petite photo si je peux quelque part. Je mets la date de péremption également. Et après, faut quand même les manger assez rapidement. Hein. Faut pas les laisser 3 semaines dans votre frigo non plus. Hein. Feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? J'ai pris 3 bouteilles d'un litre de Coca-Cola. J'ai pris une bouteille de Fanta citron. J'ai pris un jus de pomme. J'ai pris un iced tea à la pêche. Ça, c'est la boisson fétiche d'Anaïs. J'ai pris un Oasis pomme cassis framboise. Et quand c'est frais, très frais, c'est franchement trop trop bon. J'ai pris un Oasis tropical. Niveau eau, j'ai pris un pack de Badois pour mon mari. J'ai pris un pack de Vittel. Alors, des fois, ils font la promotion pour 2 packs achetés, 3e offert. C'était pas le cas. J'en ai pris qu'un seul. J'avais déjà des bouteilles de cristalline. Et pour les enfants, je leur ai pris aussi un pack de Vittel. Comme ça, des fois, si on est pressé et qu'on doit sortir, on n'a pas le temps de remplir les gourdes, ben, ils prennent une bouteille d'eau directement avec le bec. Des produits ménagers, alors j'ai pas pris grand chose parce qu'en fait moi je prends mes produits directement chez Shogun dorénavant, puisque je trouve que ce sont des très très bons produits, ils sont très qualitatifs, donc voilà. J'ai juste pris du liquide vaisselle, j'ai pris un lot de 3 éponges grattantes, 3 éponges pour éponger tout simplement. Ensuite j'ai pris un bloc WC. Voilà, j'ai pris des adoucissants, il y avait une promotion, je sais plus c'était quoi exactement, premier acheté, le deuxième à moins 65%, un truc comme ça, du coup ben, ceux-là je les aime bien, ils sont pas mal, je préfère les Lénor, mais ceux-là ils sont pas mal. Donc un à la fleur de la passion et bergamote et un à la fleur de tiare et baie sauvage et c'est 60 lavages. J'ai pris de l'essuie-tout. J'ai pris 2 boîtes de mouchoirs, un paquet de couches pour Maeva, taille 5. Voilà, de chez Lotus Baby, elles sont très bien ces couches-là. Et en plus, elles ont une taille ajustable, c'est ça que j'aime bien. Donc moi, je vous avais dit que j'avais un abonnement chez June, mais il ne me restait plus assez de couches. Donc voilà, j'ai racheté un paquet de Lotus. Ensuite, je ne vais pas m'attarder, mais j'ai pris des protège-slip. J'ai pris un lait de toilette mix à bébé pour Maeva. Celui-ci, je le trouve vraiment bien. Il sent très très bon et il est très bien noté sur Yuka. Je lui ai racheté un shampoing parce que j'avais plus de produits. En fait, je lui prends les produits, la gamme bébé de chez Shogun. J'avais plus assez de gel douche et j'avais plus assez de shampoing. Et j'ai pris un dermo-nettoyant de chez Mustela à la pharmacie. J'ai pris un gel douche Dop au parfum bonbon. Les enfants, ils aiment beaucoup celui-ci. J'ai pris un gel douche micellaire Petit Marseillais. Il sent très bon à la fleur de pommier. Pour Maëlys, j'ai pris un shampoing anti-pelliculaire. Pareil, j'en ai pris un de chez Shogun. Il est dans ma commande que je recevrai prochainement. Ensuite, j'ai pris un masque de chez De Sange. J'aime bien leurs produits de manière générale. Donc là, c'est en réserve pour les filles et moi.
J'ai pris un déodorant. Si vous me suivez, vous savez que je prends toujours le même, le Magnesium Protect de chez Narta. Il est bien parce que, vous voyez, hormis le fait qu'il soit anti-odeur, il est sans sel d'aluminium et sans alcool. J'ai pris une éco-recharge pour les pousse-pousse. Donc celui-ci, il est bien, il est antibactérien de chez Palmolive. J'ai pris du bain de bouche. J'ai repris des brosses à dents parce que ça va bientôt être le moment de les changer. Alors par contre, ils avaient que médium. Habituellement, je prends souple, mais il n'y en avait plus. J'ai pris 2 paquets de coton-tige. Et pour finir, j'ai pris une crème solaire pour les enfants. J'en ai commandé de chez Shogun que je recevrai prochainement. Mais voilà, là les enfants, ils partaient en sortie. Vous savez comment c'est, on est en fin d'année. Et vu cette semaine, il va faire très très chaud. Il leur fallait absolument une crème solaire. Donc voilà, j'ai pris celle-ci de chez Nivea. De toute façon, il n'y avait pas 36 000 choix. J'ai pris celle-ci, crème minérale. Je sais même pas ce qu'elle vaut en vrai, je sais pas comment elle est notée, mais voilà. Je me suis dit crème minérale, protection UV à l'aloe vera bio. Normalement, elle devrait être pas mal pour les enfants. Pour reconstituer un petit peu les réserves, j'ai pris de la purée mousseline. Voilà, 4 sachets, soi-disant de 4 personnes. Pour rester dans la pomme de terre, j'ai pris des pommes de terre pour faire les frites. Donc j'ai pris des petites pommes grenailles comme ça. Fallait refaire le stock de pâtes, donc j'ai pris des penées puisque j'en avais plus du tout. J'ai pris des pâtes, des tortilles cuisson 3 minutes puisque c'est ce que je préfère quand c'est rapide. J'ai pris un grand paquet de 1 kg, donc il y a de quoi faire. J'ai pris des coquillettes 1 kg également. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de capellini. J'aime bien en fait quand les spaghettis sont plutôt fins. J'ai repris du riz. Il m'en restait un petit peu, mais voilà, j'ai préféré en reprendre des fois que ce ne serait pas suffisant. Bah, des fois, on les met en guise d'accompagnement avec autre chose. J'ai pris des macaronis, donc 500 grammes, cuisson 3 minutes. J'ai pris 2 bouteilles de purée de tomates, notamment pour faire les lasagnes. De la sauce béchamel pour les lasagnes également. Alors, je ne la fais pas moi-même, hein, je triche, je la prends déjà faite. J'ai pris un mélange de quinoa et de boulgour parce qu'en fait, je voulais de l'ébli. Il n'y en avait plus du tout, donc je me suis dit que ça, ce serait pas mal, du quinoa avec du boulgour pour changer. Niveau fruits et légumes, j'ai rien pris de particulier si ce n'est des oranges à jus. I remember when I first saw your face and how everything changed that day. I remember trying hard to ignore the signs, but I couldn't and I didn't know why. I remember when I ran so far, like speeding trains in the passenger car. And I remember that you still came back for me. I tried to run and hide, but you were by my side. I can remember thinking you were crazy, love, but I don't mind. You wouldn't let me go, you let me take it slow. And now my heart is changing, I've been thinking, baby, I wanna love you better. Said hello, I was blind and I didn't know. I remember that your love lit up the dark, but I couldn't seem to find that spark. I remember when you gave it your all, climbing walls that I wouldn't let fall. And I remember when they did, you stuck around. I tried to run and hide, but you were by my side. I can remember thinking you were crazy, love, but I don't mind. You wouldn't let me go, you let me take it slow. And now my heart is changing, I've been thinking, baby, I wanna love you better. I wanna love you better. Ensuite, on
on va passer à tout ce qui est goûter, petit déjeuner, chocolat, etc. J'ai pris du pain de mie. Voilà, nous on aime bien le matin faire des petites tartines grillées avec du beurre, bah eux du beurre de micelle et puis moi du beurre avec de la confiture à la fraise. Au niveau de la date, ça va, on est bon, c'est jusqu'au 27 juin. J'ai pris des petits pains au lait comme ça, ils sont très bons ceux de la boulangère. Voilà, mais Maëva des fois le matin elle a un petit peu de mal à manger, donc ça peut passer. Ensuite j'ai pris une brioche tressée, donc celle-ci elle est vraiment bonne, sans huile de palme. Ensuite pour moi je me suis pris du café macchiato de chez Starbucks, il est vraiment très très bon celui-ci, il va dans la Dolce Gusto, vous avez deux capsules, une qui contient le lait, une qui contient le café et c'est à la vanille de Madagascar. Pour faire les tartines j'ai repris du Nutella. Toujours dans les petits déj, j'ai pris des céréales, donc j'ai pris des trésors, je ne sais pas si c'est le bon paquet que j'ai pris d'ailleurs, je me suis peut-être trompée. Mais voilà, c'est Maëlys en général qui mange ces céréales-là. Oui, parce que des fois, ils sont un petit peu relous. Des fois, quand je prends des céréales, l'un veut pas ci, l'autre veut ça. Enfin bref, vous connaissez. J'ai pris également des céréales Max, puisqu'on alterne en fait. Je prends jamais les mêmes céréales. La dernière fois, j'avais pris des Golden Grams. Là, du coup, j'ai pris des Max, puisque Mathis, il aime bien. J'ai pris du lait Candy Hop à la vanille. Donc Mathis, il aime bien les emmener au goûter à l'école. Pour les goûters, j'ai pris... vous savez que lui, il reste au goûter le soir au moins minimum deux fois par semaine. Donc du coup, il ramène des petits goûters avec lui. Et donc voilà, je lui ai pris les petits oursons à la fraise. Les barquettes de lui à la fraise, il y avait une promotion sur le lot de 3. Donc voilà. Je lui ai pris des mini roulés pépito au chocolat. Je lui ai pris aussi des barres chocolatées poquitos pépito. J'ai pris des compotes. Il m'en restait un petit peu, mais du coup, quand je fais des grosses courses comme ça, je préfère prendre le gros paquet où il y en a 12 dedans. J'ai pris des gâteaux Lotus, puisqu'ils aiment bien ça. Des gâteaux Milka, que Maëlys m'a demandé. Ensuite, pour le goûter de Mathis toujours, j'ai pris des Oreos enrobés de chocolat blanc. Donc ceux-là, il aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, il n'y en a que deux hein, dedans. Hein. Vous inquiétez pas, il prend deux comme ça. Il prend un fruit, une compote. Enfin, un fruit si j'en ai. Sinon, il y a toujours une compote. Un jus ou un lait. Et puis un gâteau. Un gâteau un peu avec une génoise, quoi, comme ça, ou les mini roulés. J'ai pris deux tablettes de chocolat Lindt à la noisette. J'ai pris des M&M's. J'ai pris des petits chocolats mini comme ça, Milka, pour boire avec le... pour boire, pour manger, accompagné d'un café. Donc ça ira dans le petit coin café. J'ai pris aussi des chewing-gums fridents à la fraise. Et j'ai pris un grand paquet de chips. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la liker si vous l'avez aimé et à me rejoindre en vous abonnant. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous.